Et bah bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne. Alors il y a beaucoup d'activités en ce moment. J'ai le Covid, c'est pour ça. Alors là on a un avion, la navette spatiale, c'est-à-dire que la Spoutnik, c'est son voisin, tu vois ce que je veux dire. Vous avez été beaucoup à me demander le F8F Bearcat. Alors il en existe aussi une version en 6.3, juste ici, le F8F1B qui est plus puissant, qui est aussi plus lourd, qui a 4 canons 20 mm, mais vous prenez 1,3 de PR en plus, et du coup les performances même de l'avion se mélangent beaucoup plus aux autres, et finalement il est beaucoup moins drôle à jouer. Alors qu'en 5.0, je t'explique, au décollage, c'est limite si les avions qui sont derrière toi ils reculent pas. L'avion il s'arrache de la piste à une vitesse monumentale, tu rentres l'étreinte déjà à 340, tu mets le nez à 20 degrés, tu montes 30 mètres secondes. En 5.0, pour nous motopropulser, on peut faire confiance au gros Pratt avec un énorme turbo qui est le même moteur que le P47 et que le Corsair, sauf que vous êtes plus léger que les deux en fait. Qu'un Corsair, je crois que ça fait 1,5 tonne de plus, et un P47, c'est entre 9 et 10. Alors, 2976 chevaux, vous êtes gentil, c'est non. On est à 2450 au ras du sol maximum, et jusqu'à 5000 mètres, parce qu'il faut pas trop monter au-dessus, mais après il devient vraiment un peu plus chiant à jouer. Vous tombez en dessous des 2000, mais globalement, on n'est jamais à 3000 bourrins. Il a une accélération, ce truc. Tu montes à une vitesse, juste tu cloues au sol tout le monde. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors c'est peut-être pas le 5-0 le plus rapide du jeu, hein. Ça sera sûrement l'avion dans la prochaine vidéo, un avion anglais, voilà. Donc ceux qui veulent deviner devineront. Mais on est sur une vitesse de pointe extrêmement solide, hein. Même avec une aile en moins, j'ai tracé un Focke-Wulf D quand même, hein. Donc c'est pour vous dire, hein. J'étais au ras de sol à 560, le truc il était là derrière moi en train de tousser. Bon, il avait pris un crit aussi, hein. Mais j'étais là, attends quand même, il me manque une aile. Et je vais quand même plus vite. J'ai parcouru la moitié de la map, je suis allé me poser. Alors on pourrait se dire, attends, il monte 30 mètres secondes, une accélération de fou, il vole super vite, forcément il tourne mal. Bah non. Il a des volées du futur. Alors là, même en haute altitude, tu peux sortir directement tes volées atterrissage pour faire ton looping, ça pose pas de problème. Ça tient. Enfin, faut pas le faire non plus à 3000 mètres, quoi. Mais à 5000, ça peut le faire. Maintenant, on en arrive au défaut du Bearcat. Il a tendance à compresser à une vitesse qui est normale. Enfin, un petit peu plus tôt que les autres. Problème, vu que tu accélères tellement fort et que tu voles tellement vite, bah, tu te retrouves à compresser très vite. Alors, c'est la dérive, ça fait chier pour viser, tu vois. T'es pas con, tu freines avant de tirer, tu freines 5 secondes plus tôt, comme ça l'avion il stabilise, il perd un peu de vitesse, tu récupères ta maniabilité, clic gauche, et tu lis. Fonce la verrière dans le moteur. Et ensuite, le plus gros défaut du Bearcat, qui est commun à toutes les générations, je pense que c'est dû à son aile qui est anormalement longue à ce niveau-là. En fait, quand tu tournes, tu t'appuies tellement sur l'air que tu perds beaucoup de vitesse. Alors, ça lui fait tourner extrêmement bien, hein. T'as 2, 3, 4 virages où vraiment il est très bon. Au-dessus, après, quand vraiment tu perds en vitesse, bah, tu voles comme une enclume, hein, ou comme une brique. T'as un avion américain hein, après tout, hein, mais c'est pas que tu perds contre l'adversaire, c'est limite que tu te suicides en fait. Parce que tu fais ah, bah, c'était le virage de trop. Bah oui, bah là, je peux plus rien faire. Lui derrière toi, il arrive, il a plus de maniabilité, il t'en coupe en deux comme un tacos, et puis voilà, c'est terminé. Niveau armement, on a 4 petites mitrailleuses de 12-7. Moi je mets convergence 500 mètres, faut vraiment pas au-dessus. Munition traçante. Alors faut pas tirer à 300 mètres non plus, parce que t'arrives trop vite, donc c'est trop tard. Tu tires à bonne distance, tu vises bien, ça suffit très largement. Nous la partie. Allez hop! Poussez-vous! Je décolle! Faites place! Le Spitfire, tu tousses! Allez! Même le P47 Mastora qui a exactement le même moteur que moi. Alors hop, tranquille. On rentre les trains. Bougez pas, j'arrive. 3,40. Hop, 20 degrés. Regardez, je m'y taupe pas. Hein. 1500 mètres. Qui est au-dessus de moi? Juste une personne, un seul. Il y a personne, à part les nuages, il n'y a rien au-dessus. Il y a un B26 et encore, il est en train de suffoquer. Spitfire, il monte depuis le début. Regardez ce que je suis en train de lui mettre. Non, mais, là, c'est même plus le fumée de tempête. On lui jette un paquet de Kleenex par la verrière. C'est pas possible. Faut appeler SOS médecin. Le moteur du Spitfire a chopé une bronchite. Oh là 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 là, le Spitfire. Il est en train de pédaler, il a sorti les rames. Vous pensez quoi de mon accélération? Pour un 5-0, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Hein. Allez hop, on ouvre les radis un petit coup. Je joue en contrôle manuel, moi, pour whipper comme un connard. 635. Bon, on va faire un petit virage là parce que j'ai peur de passer le mur du son. Parce que les 109, ils sont à 450 en train d'essayer de monter. Je vais passer comme un teubé, je vais leur faire tourner l'hélice à l'envers. Poussez-vous! Clic gauche.
Ah bah il a G-out. Ah merde. Bon bah d'accord, hein. Il a fait deux virages, il a dit ouais non non non. Moi j'arrête, c'est bon, c'est fini. Mon clic gauche est à peine en préchauffage, là, faites quelque chose. Ah bah voilà un autre client. Alors lui, qu'est-ce qu'il essaye de nous faire, lui? Regarde, volet atterrissage, hein. J'en ai rien à branler, hein. Regarde-moi ça, hop, t'arrives. Et en un virage, bonjour, c'est moi. Regarde, regarde. Hop là, salut. Coucou. Bleh. Allez hop, le 109, retourne chez ta mère. FLZ, allez hop, c'est parti. Où c'est vous? Police du skill. Oula. Wouhou. Oh là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il nous fait l'artiste là? Bon, bouge pas, je coupe la web, j'arrive. Rangez-vous sur le bas-côté. Police du skill. On s'arrête, monsieur, s'il vous plaît. Bon, il... ah bah là, il s'est arrêté, le. Tiens. Tiens. Découped. Ensuite, un autre client. Oh là là. Je sors d'un dogfight, je suis déjà à 570. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse, les méchants, là? Allez, la web, c'est parti, gaz en grand. Bonjour. Oh bah alors là, c'est bien tiré à côté, hein. Oh bah, ah, ça c'est... Là, c'est moyen à côté. Pan. Pan. Oh bah, c'est solide, ces conneries, là. Ah oui, bah quand même. Oula, oula, oula. Oh, un mec. Je l'avais même pas vu, putain, parce que je lui mets. Bon alors, attends, on va être gentil, quand même. 4 kills, alors ça c'est mon ace. Hein. Ah bah alors là, le 109 scooter. C'est pas un sakin, mais ça, c'est à s'y méprendre. Oh bah ouais. Oh le fumier. Oh sa mère. Ah bah oui, ah bah non mais eh, oh. Le pilote, non mais je voulais l'assist. Oh là là, le mytho. Le Mastora, le mytho. Sorry, oh là 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 là. Oh là là, c'est honteux, c'est honteux. On tire par là, là, moteur, là. Oh. Pardon, excusez-moi. Appelez les pompiers. Oh, il perd des morceaux, il perd deux morceaux, trois morceaux, il hypothèque l'avion. Ah, bah, il est mort. Oula, oula. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Ah, bah, là, bien. Bon, bah, c'est plié, ça. Fitace, première game, tranquille. Et je suis quand même deuxième. Oh, l'arnaque du siècle. Oh, le BU6, quand même, je peux pas résister à lui péter le cul, là. Ouais, fais gaffe, il y a un Yak 3U en ouais, hauteur. Mais t'inquiète, là il est juste là. Oh. T'as des 20 mm ou quoi? C'est quoi ce bordel? Non, non. Bah, j'ai fais gaffe, il y a que 3 qui vient sur toi et P3. Mais il vient pas sur moi. Bon, par contre, le Ki 84 qui espère me rattraper. Vas-y, je te prends le 84 derrière toi et tu prends moi Yak 3. On fait un échange? Vas-y, si tu veux. T'as combien là? Fais gaffe. Oh, bah d'accord. Non mais il m'a mis un obus, il m'a coupé en deux. Un seul, hein, ouais. Vraiment, c'est pas une blague. Hein. Suite à ça, j'ai pris 4 Doliprane, j'ai fait 1h30 de Forza. Je reviens fièrement faire du gros gameplay. Et je me rends compte que, en fait, à cause d'une mise à jour, le OBS a tout réinitialisé. Du coup, il n'y avait aucun son sur aucun des rushs. Coucou aux Français qui m'ont croisé, j'aurais bien voulu poster le gameplay, même si je suis mort, c'est pas grave. Un plaisir, vraiment, magnifique. Clic gauche. On est top tier. Ah ah. Coucou. Allez, avec le vent, je vous enrhume là. Oh là là, l'on est dur. Regarde-moi ça, regarde. Au bout là-bas, je suis à 350. Est-ce que t'es prêt? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Dès que je recorde, c'est fou le bordel, hein. Il est là, lui. Oh. Et plaf. Oh, eh ben ouais, c'est un IL-10, hein, mais d'accord, mais quand même. Hein. Ouais, enfin quand même. Eh oh, c'est un monstre avec des ailes. Wow. Ah bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Dans le Yakunga, il arrive un obus. L'IL-10, il arrive deux obus. Il va quand même y avoir un monde où ça va s'arrêter, quoi. Je me disais bien aussi un 109 qui vient combattre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En même temps, ils sont en 18 contre 1. Tu m'étonnes. Ouais. Là, il y a un problème. Je veux bien. Il y a quelque chose qui va pas. Après, ma team, quand vous voulez pour venir m'aider, hein, si jamais... Oui. Zen, calme, le monde est paisible.
On inspire. On expire. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Gaijin, vous avez fait quoi encore là? Mon avion il prend un coup de vent de travers, j'ai l'aile qui saute. Par contre, moi vas-y que je fais des coups pendant toute la journée là. Non mais avant c'était pas comme ça là. Il y a eu la mise à jour, elle a dû chier un truc, je sais pas, il y a quelque chose qui. De la merde. Prochaine vidéo FUTF. Je sais pas, je sais pas. Je vais le faire stresser, je vais le faire stresser. Attends, je lui fais une petite touchette, une touchette. Allez. Allez, une touchette, j'ai dit. Une touchette, une touchette, une touchette. Oui, oui. Wouhou. Je suis mort. Oh mon dieu. Allez, go faire un ace. MDR. Il est en train de larguer ses bombes, son avion il a rien compris. Va falloir songer à mourir hein, au bout d'un moment. Allez, volet décollage, j'ai plus le temps. Merci. J'ai l'impression d'être la voiture de sécurité en Formule 1, en train d'emmener tout le monde là. Oup oup oup, allez venez, suivez-moi, c'est par là-bas. Oh. Hein? Le Yak 3, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, l'I-185, tu meurs. Voilà. Le P-47, tu meurs. Voilà. Bon, le Typhoon, oh putain. Alors lui, il a déjà eu du mal à éviter les arbres. Oh bah, ouais. Oui, enfin bon, va falloir mourir, hein, au bout d'un moment. Hein. Ah, il a pété ses volets. Ça, c'est con. Oh, je fais un virage dans le sien. Tellement que j'ai plus... Oh oui, d'accord, pardon. Excuse-moi. On va tirer par là-bas, là. Là, ça me paraît bien. Voilà. Oh, ben là, c'est bon. Hein. Us, esquive. Il vole encore. Bon, très bien. Ah oui. Oh, je vais quand même pas encore faire un ace à cause d'un crash à l'atterrissage. Mais, non, mais, waouh. Bah, si. Oh, c'est d'un ennui. Bref, furtif x 4. Bah, j'ai 5 kills. Bon. Hein, j'étais pas furtif. Hein, j'ai dû tirer tout à côté. Là, comme ça, là, c'est un des plus beaux plans du Beer 4. Je trouve. Là, là, il y a tout qui est incroyable. Nom de Dieu. Bon, le LA7 a plus d'énergie, donc plus dangereux. Ah, moi, je fais pas des ailes, hein, par contre. Hein, ça, c'est rigolo. Hein. Ah, quand même! Sans déconner. Salut! J'arrive! Oh! Salut! Qu'est-ce que c'est que cette décoration? Oh là là! Oh, je vais vomir! Oh, bah, alors là, l'XP-55. Alors, encore un truc merveilleux, ça. Encore un avion qui s'est écrasé plus de fois qu'il a volé. Alors là, je vais regarder globalement qui c'est qui nous fait une manœuvre à la con. Le Yak 3, là, il est bien parti. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, le I-185, il est plus haut. On va peut-être se le faire. Ouais. Ouh! Allez, hop, tu sors. Ah bah là, tu tombes, hein, mon ami, en fait. Hein. Ouais. Bouge pas, j'arrive. Ne bouge pas. Papa est là, papa est là. T'en fais pas. Voilà. Ouais, enfin, oui. Merci. Non, mais enfin... Hein? Clic gauche, tu sors. J'ai dit, clic gauche, tu sors. Oh, je l'ai dépouillé, le Spitfire, une aile en moins. Voilà, par contre, lui, il est pas mort, hein, bien entendu. Les autres ne meurent pas, il n'y a que moi qui meurs. Ah, par contre, si on continue de la jouer comme ça, c'est sûr que je vais me faire dégonder, hein. Ah oui, merci. Le qui sent qui tousse. Oh. Oh, mais non. Oh là 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 là. Oh, mon cœur, mon cœur, mon petit cœur. Oh nom de Dieu. Déjà fini. Y a à peine d'un combat, je décolle à peine, je tire 2-3 cartouches et tout le monde est mort. J'aurais eu encore l'ace si ce foutu Yak 3 il m'avait pas pété mon spit.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un festival? Ah, j'en avais trois là. J'adore pas trop beaucoup ça. Allez hop. Ouh, je l'ai éteint. Oh merde. Tant pis, je vais boom and zoom leur airfield. Rien à branler. Vas-y, comment je tourne pas avec mon demi-élévateur là? Ouais. Merci. Tu meurs. Parfait. Wow. Mais j'ai qu'un demi-élévateur. Qu'est-ce que je t'en fight en speed? Regarde, monte. Oui, tue-le. Oh merde. Oui, tue-le. Merde. Mais c'est quoi ces alliés? Faites quelque chose. Mais attends, je suis avec mon demi-élévateur et on me demande de tuer un speed. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le sol, le sol. Aïe 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 aïe. Oh dommage. Oh c'était beau. Tiens. Bon, grâce à mes superbes alliés en 3 contre 1 parti à la cueillette aux champignons, eh ben, je suis mort. Oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez un truc à dire. Y'a aucun souci. On se dit la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez trouvé. Puis des bisous. Allez, salut.